Alors au départ, je reconnais que bon, je me suis dit, est-ce que les gens nous auront pas oubliés? Bon, ça je pense pas. Et puis justement, tous les témoignages étaient extrêmement émouvants. Et certains, j'étais relativement ému. À la fois aussi intéressant sur ce qu'ont pu vivre nos spectateurs sur un an et demi depuis l'ouverture et ce qui leur semblait important, outre le passage des films, mais aussi l'ambiance, aussi les contacts entre nous. C'est des choses voilà qui nous ont extrêmement touchés, quoi. Ça va faire le 14 mars 2021, ça va faire un an que le. Enfin, ça va pas faire un an qu'on est fermé, mais c'était la date, le 14 mars 2020, du premier confinement. On est resté ouvert 4 mois et demi à peu près, quoi. Ça a été pas facile. On va dire que ça peut aller. C'est surtout le moral de l'équipe qui en a pâti après les fêtes. Ça a été compliqué à partir des fêtes de fin d'année et de janvier. Et puis sinon, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Hein. On espère tous une réouverture peut-être aux alentours de mi-avril, chose qui a été un petit peu évoquée avant que les personnes se rétractent. Je pense qu'à mon avis, on est prêt à suivre n'importe quel protocole. Le protocole était relativement strict quand même. On pensait au départ que ça serait compliqué à appliquer, etc. Puis en fin de compte, on s'y est fait. Et puis tout le monde s'y est fait, pas uniquement l'équipe du cinéma, mais aussi nos spectateurs. Donc on est prêt à reprendre de la même façon. Sachant qu'on a démontré qu'il n'y a pas eu de cluster dans les cinémas et les lieux culturels en général. Donc quelque part, c'est vrai que de ne pas rouvrir à Noël, ça a été un peu comme une punition, comme si on avait été des mauvais élèves, sachant que ça n'a pas été du tout le cas. Donc on ne va pas parler d'incohérence, on ne va pas parler de toutes les polémiques qui peuvent circuler là-dessus, mais bon, on est vraiment très impatients. Il y a des distributeurs de films qui se placent aux alentours de fin avril, début mai, donc ça nous laisse présager une ouverture à cette période-là. Mais voilà, ce qui prédomine surtout de tout le monde, c'est notre impatience. Parce que c'est pas facile de ne pas travailler pendant quasiment 6-7 mois sur une année. Sachant que nous, dans un cinéma, on peut pas proposer du click and collect ou quoi que ce soit, quoi. C'est très compliqué. Hein.